c'est notre rôle de collectivité de proximité, eh bien, de pouvoir peut-être combler là où il y a plus de difficultés pour que les gens puissent se rendre dans un laboratoire ou dans un lieu dédié à cet effet. À proposer effectivement de faire la même chose pour la vaccination et que les personnes qui ont envie, je rappelle que c'est sur la base du volontariat, hein, les personnes qui ont envie de se faire vacciner, eh bien, nous pourrons répondre également à cette demande. Encore faut-il que l'État nous le demande, mais je pense que ça évolue tout doucement et que nous pourrons peut-être effectivement aller aussi dans la campagne pour vacciner les personnes de plus de 75 ans qui le souhaitent. C'est un projet fort, on l'a dit, fort pour nos habitants du territoire, car nous avons réfléchi territoire, communauté de communes, bassin de vie, car aujourd'hui les médecins de Chambly, qui sont déjà en nombre un peu réduit, parce que la démographie médicale y a conduit, assurent déjà pour un ensemble de territoires, vont bien au-delà de nos frontières, vont même jusque dans le Val d'Oise, puisque certains de nos patients du Val d'Oise viennent à Chambly.